que c'est pas bien. Vous, c'est Tata qui le suivez. Vous êtes bien, vous le conseillez, vous l'aidez et tout. Mais quand il est en train de zailler là, faudrait que les gens puissent sortir pour le conseiller là-bas. Eh, hey, pardonnez. Votre couple là, on aime voir ça. Pardon. Hein? J'espère que c'est un bezo. J'espère. Il n'apprécie pas, je n'aime pas. Quand il me fâche et puis vous venez demain, vous voyez son comportement, vous voyez comment il est. Vous voyez comment il est. Ce qu'il fait là, vous pensez que c'est bien. C'est Tata qui le suive là. Conseillez-le, quand il est dans la bêtise là, apprenez à lui dire, non, attends, il prend plus. Apprenez à lui dire les choses comme elles sont en fait. Parce que c'est pas bien. Vous, c'est Tata qui le suivez. Vous êtes bien, vous le conseillez, vous l'aidez et tout. Mais quand il est en train de zailler là, faudrait que les gens puissent sortir pour le conseiller là-bas. Sinon, il va gâcher, c'est-à-dire, il va pousser les gens à le détester, en fait. Moi, je suis venue, moi, j'ai dit quoi? Je me suis excusée. Ah, il fallait que je fasse quoi? Je me suis excusée parce que hier, moi, quand ils sont en train de mal parler de lui là-bas, là, nous, c'est proche, on se sent un peu mal. Parce qu'on dit, ah, voici, voilà. Moi, je voulais venir apaiser les trucs parce que moi, quand il sort, il fait ces trucs-là. C'est sur moi, on vient jeter. Vous dites, Kimi, faut faire. Bon, bref, laissons tomber. Ça, c'est caprice-là. Il n'a qu'à pousser ça là-bas. Moi, il a fini de parler. En tout cas, laissez-le. Laissez-le comme ça. Prenez-le comme ça. Ce sont comme ça. Ils sont comme ça. Quand il est bien, nous tous, on est bien. Quand il est comme ça aussi, mon cher.